monde. Tout d'abord, un grand merci à toute l'équipe de m'avoir invité à ce festival. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Audrey Salles et je suis depuis maintenant 3-4 ans nouvelliste. Donc, j'écris des textes courts dans des anthologies collectives publiées chez plusieurs éditeurs. Et aujourd'hui, l'équipe de Nice Fiction m'a conviée pour parler, pour faire une rencontre avec Yannick Rumpala, donc qui n'est pas là pour le moment suite à des problèmes de connexion, mais bon, ce ne serait pas un direct Nice Fiction s'il n'y avait pas des petits bugs de temps en temps. Donc pour l'instant, je vais commencer toute seule. Donc moi, je découvre le festival cette année parce que j'ai malheureusement pas pu venir l'an dernier et je suis ravie de participer pour cette première édition. Donc autour de la question, la science-fiction est-elle un outil efficace pour penser les enjeux écologiques ? Donc alors, Yannick Rumpala est plus spécialiste de science-fiction que moi, parce que mon domaine est plus le fantastique, mais les deux genres se rejoignent beaucoup et j'ai eu l'occasion aussi d'écrire des textes de science-fiction, notamment un dans l'anthologie Revenir de l'avenir aux éditions Le Grimoire. Et c'est autour des nouvelles de cette anthologie, mais aussi de nombreux autres exemples puisés dans les romans et les nouvelles de l'imaginaire et surtout de la science-fiction, que je vais, grâce auquel je vais pouvoir répondre à cette question. Donc, la science-fiction est-elle un outil efficace pour penser les enjeux écologiques? Cette question pose deux problèmes. Tout d'abord, la SF est-elle un outil pour penser les enjeux écologiques? Et ensuite, est-ce que c'est un outil efficace? De façon assez évidente, la science-fiction est un outil dont se servent de nombreux auteurs pour penser les problèmes écologiques qui se posent ou se poseront et pour imaginer le monde de demain. Et les récits à ce sujet sont, comme vous le savez sans doute, loin d'être optimistes. Surpopulation, surproduction de déchets, trous dans la couche d'ozone et j'en passe. Les auteurs se plaisent à dessiner le tableau du monde futur au regard de catastrophes écologiques. Et là, donc, je vais citer Yannick Rumpala qui dit « Comme si la science-fiction extrapolait les tendances inquiétantes qui semblent en cours. Donc ici, dans cette rencontre, il ne sera pas question de jugement ni de moralisation, je préfère le dire tout de suite, mais plutôt de lancer des pistes de réflexion. Parce que la science-fiction ne propose pas que des hypothèses cataclysmiques au sujet de l'écologie, elle offre aussi des solutions, c'est-à-dire comment survivre, comment habiter un environnement hostile, que faire pour s'adapter, quoi ou qui adapter par exemple. Donc comme je l'ai dit, je prendrai mes exemples principalement dans les romans et nouvelles, de science-fiction, mais bien sûr les autres arts constituent de parfaits outils pour aborder la question écologique. C'est juste que j'ai qu'une heure pour la conférence, mais on pourra très bien en discuter à la fin de la rencontre. À ce propos, je posterai tous les liens et toutes les références que j'ai mentionnées pendant cette rencontre sur le channel information de mon stand Discord, sur le serveur Discord. Et bien sûr, vous pouvez poser vos questions pendant la rencontre. J'essaierai d'y répondre au mieux. Alors, contrairement à ce qu'a annoncé Sybille Marchetto lors de l'inauguration du festival, j'ai préparé un plan pour ce live. Je ne suis pas tout à fait prête à parler en... spontanément et en improvisation. Donc, la réflexion se construira autour de trois axes. Tout d'abord, comme je les ai mentionnés, les textes de science-fiction qui proposent des hypothèses pessimistes quant à notre futur et le futur écologique de la Terre.
Toutefois, dans un deuxième point, on verra qu'il y a ce que Yannick Rumpala appelle des lignes de fuite écologiques, c'est-à-dire des solutions que proposent les auteurs de science-fiction pour penser la Terre 2.0, si je veux reprendre l'expression qui fait le thème de ce festival. Et enfin, on reviendra sur la question, est-ce que la science-fiction est un outil efficace pour penser ces enjeux écologiques? Parce que bien sûr que c'est un outil, les auteurs s'en emparent, mais est-ce que ça fonctionne aussi bien qu'on le voudrait? Bon, alors je commence avec le premier point sur l'avenir pessimiste que propose la science-fiction. Donc si on en revient à une définition très basique du genre, la science-fiction, c'est une extrapolation qui repose sur des hypothèses scientifiques. Donc à partir de là, les auteurs de SF ont beaucoup spéculé sur la question des catastrophes écologiques, imaginant ce qu'il pourrait se passer, pourquoi, quel danger ou comment faire face. Au point même, disait Yannick Rumpala, voilà, je fais cette rencontre à deux voix, toute seule, au point même, donc, disait-il, qu'une véritable catastrophe peut donner une impression de déjà-vu. Donc, on va parler actualité, là, parce que, par exemple, rien qu'en ce moment, je vois fleurir des articles de presse titrés « Ce roman a prédit l'épidémie de coronavirus » ou « Ce roman a deviné ce qui allait se passer, comment allait se passer la pandémie ». Donc, on cite beaucoup « Les yeux des ténèbres » de Dean Koontz, dans lequel le virus Gorky ou Wuhan 400, selon les versions, a été capable de décimer l'humanité entière. Il y a même une réédition de ce roman en ce moment, chez l'Archipel, avec le bandeau, le roman qui a enflammé les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment en fait un roman qui a fait polémique ou qui fait figure de prédiction de ce qui est en train de se passer en ce moment. On cite aussi L'année du lion, qui est un polar apocalyptique de Deon Meyer, dans lequel Storm et Nico, son fils, sont les seuls survivants d'une épidémie qui a tué 90% de la population africaine. Donc heureusement, on n'en est pas là aujourd'hui avec le coronavirus, mais voilà, c'est les deux romans qui font beaucoup parler d'eux en ce moment. Info ou intox, là n'est pas la question. Moi, ce qui m'intéresse dans ces articles, c'est ce statut de prédiction qu'on prête à de nombreux romans et qui est lié à leur écriture, en fait. Parce que les auteurs essaient de... je crois que Yannick Rumpala est... Bonjour. Bonsoir et désolé pour le petit retard. J'ai entendu à peine le début de présentation. D'accord, mais j'en étais au tout début de la présentation, donc pas de souci et enchantée et merci d'avoir la rencontre. Donc j'étais en train de parler de deux livres qui faisaient parler d'eux en ce moment parce que on dit que ce sont les romans qui ont prédit la pandémie de coronavirus qu'on vit actuellement. Donc, Les yeux des ténèbres de Dean Koontz et L'année du lion de Deon Meyer. Et je parlais du statut de prédiction en fait, qu'on prête à de nombreux romans de science-fiction parce qu'ils auraient prédit certaines catastrophes ou certaines situations qu'on vit dans le présent. Donc, est-ce que vous avez d'autres exemples peut-être? Alors, un que j'ai utilisé récemment et que je trouve très très fort, c'est Le successeur de Pierre de Jean-Michel Truong, qui décrit également une grande peste Donc, le roman a été écrit en 1999. Il décrit une grande peste dans ce qui est son futur. Et là où le roman est très fort, je ne connais pas les deux qui ont été cités à l'instant, mais là où Jean-Michel Truong est très fort, c'est qu'il a décrit le grand confinement qu'on a vécu il y a quelques semaines. En l'occurrence, lui, la version qu'il imaginait, c'était un confinement dans des espèces de containers qui étaient empilés dans des espèces de pyramides. Et le seul lien avec le monde qui subsistait pour les gens qui étaient enfermés, c'était par des formes de communication électronique. Et donc, oui, voilà, très fort, très fort.
Et Jean-Michel Truong imagine également une convention internationale qui a été pensée par un agrégat de think tanks, de responsables politiques, d'experts économiques, qui s'appelle la convention Zéro Contact, qui est en fait également ce qu'on a vécu il y a quelques semaines. Donc si on ajoute cette convention Zéro Contact, et j'ai oublié le nom de la version du confinement dans le roman, on a une espèce également d'anticipation de ce qu'on a vécu, nous, en grandeur réelle, il y a quelques semaines. Et avec d'autres éléments qui étaient très forts dans le roman, Jean-Michel Truong imagine qu'effectivement, aussi, pour vivre, pour assurer une subsistance, les personnes qui sont enfermées doivent, en quelque sorte, vendre leur force de travail sur un équivalent de Amazon Mechanical Turk. En fait, on donne des formes de compétences à la tâche et avec des formes de mise aux enchères des compétences de chacun. Donc, celui qui est, par exemple, très fort en traduction va vendre ses compétences de traduction avec des formes d'enchères inversées. Et il a réussi à mixer dans un mélange assez bluffant quand on le lit, finalement, ce qu'on a vécu il y a quelques semaines, donc avec ce confinement, et puis le seul lien qui nous restait avec le monde, qui était le lien par Internet avec les amateurs numériques que nous étions devenus. Ah, d'accord. Donc, ouais, c'est même beaucoup plus proche, en fait, de ce qu'on vit que les deux exemples, parce que le virus est quand même différent. C'est-à-dire que nous, ça s'apparente plus à une pneumonie. Enfin, ça va attaquer le système respiratoire, alors que chez Dean Koontz, c'est plus le cerveau que ça attaque. Puis, c'est à la fois de l'anticipation sur fond de surnaturel. Donc, le récit s'inspire effectivement d'hypothèses qu'on pouvait avoir à l'époque, parce que ça a été publié pour la première fois dans les années 80. Mais pour imaginer ce que peut être le futur, mais sans que la prédiction, si on veut appeler ça comme ça, soit vraiment exacte. Donc forcément, leurs récits vont avoir des consonances prophétiques, mais la réalisation, ça reste une question de probabilité. Parce que le reproche qu'on peut faire à beaucoup de romans qui ont essayé d'imaginer des post-apocalypses épidémiques, c'est qu'en fait, on se retrouve assez fréquemment dans des imaginaires de désolation, où les personnages sont condamnés à errer dans des mondes désolés, où en fait, il n'y a plus aucune institution. Typiquement, enfin pour un que j'ai encore en tête assez facilement, c'est Le Monde Enfin de Jean-Pierre Andrevon, où effectivement, c'est le prototype du héros solitaire avec son cheval qui va errer en essayant de retrouver des bruits de civilisation. Et là où je trouvais que Jean-Michel Truong était un petit peu original, c'est qu'il il part d'une hypothèse que la société ne va pas s'effondrer, mais qu'en fait les institutions vont réussir à rebondir et à installer ce que les philosophes appelleraient une forme de biopolitique ou de biopouvoir, avec une forme de contrôle des populations, mais basée pour le coup sur des mesures sanitaires. Et plus on avance dans le roman, plus on s'aperçoit qu'en fait il y a une partie de la population qui a été enfermée, en fait une caste de favorisés qui, elle, vit dans des conditions pour le coup, largement plus libre, et avec des formes de relâchement dont ne bénéficie pas la majeure partie de la population. C'est pour ça que je trouve le roman de Truong très fort sur ce que nous, philosophes, politistes, avons l'habitude de traiter en parlant de biopolitique, de pouvoir, parce que voilà, les questions de santé ne sont jamais que des questions de santé, ce sont des questions, pour le coup, et on l'a vu très bien dans l'épisode récent, ce sont véritablement des questions de pouvoir, avec pour le coup des formes de mesures policières, qui se part des attributs, des prescriptions de la famille solitaire. Mais là, pour le coup, on a vu fonctionner en grandeur réelle comment un État, avec des tendances, peut-être pas autoritaires, mais en tout cas fortement directrices, peut se mettre en place, y compris avec les drones, et tout l'attirail technologique qu'on peut trouver aujourd'hui. Oui, c'est effectivement beaucoup plus intéressant parce que on va le voir peut-être plus tard, mais plutôt que de proposer juste un monde apocalyptique dans lequel la civilisation s'arrête, c'est en fait comment est-ce que on essaie de réadapter notre mode de vie avec cette nouvelle menace pandémique, et puis là, plutôt viser assez juste et donner apparemment quelques pistes d'espérance en fait là-dessus. Donc là on a parlé pandémie, mais pour d'autres phénomènes environnementaux, la science-fiction a aussi beaucoup accompagné, et ce depuis longtemps, les problèmes d'aggravation environnementale.
Vous citiez dans une de vos conférences le troupeau aveugle, si je me rappelle bien. John Brunner, oui. De John Brunner. Régulièrement, en fait, les récits de science-fiction décrivent une nature détruite par l'action humaine. Enfin, je vais peut-être vous laisser parler du troupeau aveugle. Le troupeau aveugle est intéressant parce qu'en fait, c'est un roman qui se situe typiquement dans la période charnière des années 70, où on voit monter très fortement les préoccupations écologistes. Et de manière assez symptomatique, ces préoccupations écologistes, on les voit aussi fleurir dans l'imaginaire. Alors, pour le coup, John Brunner est assez marquant parce que le roman est publié en 72, et 72, c'est à la fois la date de la première grande conférence environnementale à Stockholm, et c'est aussi la date de publication du fameux rapport du Club de Rome, Halte à la croissance. Donc on a une espèce de conjonction qui se fait à cette charnière des années 70. Mais en fait, voilà, il y a d'autres romans typiques de l'époque. On peut penser à les données, le film Soleil Vert, de, voilà, Make Room de Harry Harrison. Mm. Voilà. Pour le coup, ces romans-là sont intéressants. C'est un peu ce que j'ai fait dans mon travail, hein, c'est repérer ce qui est problématisé à chaque époque. Mmh. Et typiquement, ce qui était fortement problématisé à cette époque-là, c'était la question de la population, de la surpopulation. C'est une thématique qui a un peu disparu depuis. Et aujourd'hui, ça c'est intéressant de comparer. Aujourd'hui, on est sur d'autres thématiques, on est sur le réchauffement climatique. Et, voilà, tandis que pour le coup, c'est bon. Là, c'est revenu, on m'entend de nouveau? Ah, parfait. Donc, du coup, je ne sais plus trop où on en était. On parlait des puissances de calcul des intelligences artificielles et ça supposerait qu'elles soient colossales et qu'elles puissent modéliser l'ensemble des comportements humains et a fortiori collectifs, ce qui est quand même une hypothèse très, très audacieuse, hein, sachant que les collectivités humaines, par définition, sont ouvertes à une part d'aléatoire. Donc, comment est-ce que... À nouveau, je n'ai pas lu la nouvelle, hein, mais comment est-ce que la nouvelle intègre la part d'aléa qui peut exister dans la composition de forces humaines collectives. Ou alors, il y a une autre manière de faire, qui est celle d'un autre roman qu'on aurait pu citer, qui malheureusement n'est pas traduit en français, qui s'appelle Carnival, d'Elizabeth Baer, où ce sont les intelligences artificielles qui orientent les comportements humains de façon à réduire les inconvénients écologiques. Donc là, au moins, elles sont sûres, en les orientant à l'avance, que ces comportements humains correspondront à la capacité de charge ou aux prescriptions écologiques qui auront été définies. Et en l'occurrence, dans le roman d'Elizabeth Baer, elles le font même de manière, là pour le coup, très autoritaire. Il y a régulièrement des épisodes qu'elle appelle assessment, qui sont en fait des corrections de la variable démographique. C'est-à-dire, quand il y a trop de population sur la Terre, on élimine, ou en tout cas les IA font le choix d'éliminer une partie de la population pour revenir dans des capacités de charge supportables à l'échelle planétaire. D'accord. Tandis que dans cette nouvelle, en fait, on part plus du principe que le retour dans le temps est possible et la société ressemble presque à un programme informatique entre les mains de cette intelligence artificielle. Donc, il y a presque des comportements pré-programmés et disons qu'on relance la réalité comme si c'était un programme informatique en réglant ce qui n'a pas fonctionné. Je disais les paramètres. Oui, voilà, on revoit les paramètres de la réalité. Voilà, donc c'est plus c'est plus quelque chose autour du voyage dans le temps et est-ce que les humains s'en souviennent ou pas, comment réagirait en fait le personnage principal se rend compte de ses retours dans le temps et on assiste en fait à ses réactions ou bribes de souvenirs qu'elle récupère de ses anciennes vies entre guillemets et la nouvelle repose beaucoup sur la question si vous avez le pouvoir de revenir en arrière et de tout recommencer, est-ce que vous le feriez et dans quelles conditions en fait. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais ça, on en revient à la question humaine. Et notamment dans cette nouvelle, il y a un des futurs alternatifs que propose l'IA qui est assez intéressant et dans lequel
On voit une société qui fonctionne sans technologie, en fait. C'est-à-dire que si la technologie n'est pas la solution adaptée pour penser ou pour régler les problèmes écologiques qui se posent, on essaie le cas inverse, c'est-à-dire vivre dans un monde... Donc là, ils proposent une organisation en communauté rurale et autonome, et c'est cette organisation qui prime. Et la narratrice rejoint l'une d'elles, en fait. Et la technologie disparaît au profit du tout naturel. D'accord. C'est une des options que j'ai appelée l'abstention technologique dans ce que j'ai essayé de déterminer dans les ouvrages. Effectivement, et qu'on trouve sous différentes versions, chez Michel Jury, par exemple, dans Les Écumeurs du silence, ou dans La vague montante de Marion Dino Bradley. Voilà, c'est une option, c'est une trajectoire qu'on trouve je veux dire, assez fréquemment, en tout cas dans certaines explorations littéraires sur la manière de gérer la contrainte écologique. Et donc là, on voit que les auteurs testent une manière, enfin, essaient de penser à comment on adapte son habitat en fonction de la situation écologique. Et d'autres pensent qu'en fait, c'est pas l'environnement qu'il faut changer, mais plutôt l'être humain. Et donc, proposent des récits dans lesquels les scientifiques parviennent à accélérer les mutations naturelles, pour le dire grossièrement. Par exemple, dans Un éclat de givre d'Estelle Faye, où on a trouvé un moyen, via une drogue, d'augmenter la résistance à la chaleur et à la sécheresse pour permettre de vivre dans un monde où l'eau a quasiment disparu et où il fait une chaleur infernale. C'est aussi le cas dans Demain les chiens de Simak, où les humains se font tous changer en dromeurs, c'est-à-dire les habitants de Jupiter, pour pouvoir supporter le climat hostile de cette planète et donc décharger un petit peu la Terre de sa surpopulation. Et surtout parce que, pour le dire un peu familièrement, c'est trop génial d'être un dromeur. C'est-à-dire que le scientifique en charge du projet explique que quand on est un habitant de Jupiter, un dromeur, on accède à la pleine maîtrise de ses facultés, tant psychiques que physiques, et on se sent en parfaite harmonie avec l'environnement. Donc, ça, c'est des tentatives pour adapter non pas l'environnement, mais l'être humain à un environnement qui devient de plus en plus hostile. Alors, ces deux hypothèses-là étaient en compétition dans un autre roman qui s'appelle « Ciel brûlant de minuit » de Robert Silverberg. Pour le coup, le roman décrit l'espèce d'affrontement, de compétition entre est-ce qu'on modifie ou est-ce qu'on s'adapte à l'environnement, ou est-ce qu'on modifie les humains pour qu'ils s'adaptent effectivement à l'environnement qui serait dégradé. Aussi, j'allais dire malheureusement ou curieusement, en fait, ces hypothèses-là sont explorées pour de vrai, j'allais dire, par le courant transhumaniste. Il y a des transhumanistes qui ont effectivement écrit, enfin, ou qui essayent de pousser cette hypothèse avec toutes les... Alors, il y a plein de transhumanistes, en considérant qu'après tout, c'est pas à la planète de pâtir des humains, mais de s'adapter pour corriger la situation. Et effectivement, ces transhumanistes-là proposent ce qui a été dit, donc d'adapter le patrimoine génétique pour encaisser la chaleur et la pollution. Ils proposent aussi de manipuler génétiquement les humains pour, comme les chats, voir par exemple la nuit. Puisque si les humains pouvaient voir la nuit, on réduirait d'autant les besoins d'éclairage et de consommation d'électricité, par exemple. Donc, ils envisagent toute une série de mutations génétiques ou d'adaptations génétiques, ces transhumanistes, pour effectivement intégrer un surcroît de chaleur, un surcroît de pollution, avec toute la variété des options envisageables dès qu'on manipule le génome. Et là, pour le coup, ce sont des personnes qui y croient pour de vrai. Hein. C'est pas de l'imaginaire, c'est des options qu'ils promeuvent avec l'idée de faire avancer un peu plus l'agenda transhumaniste. Oui, du coup, là, on est vraiment à la frontière entre la fiction et la réalité. C'est un peu comme les hypothèses qu'avait proposé Asimov dans tous ces récits sur les robots, par exemple dans le recueil
le robot qui rêve, et où en fait ce qu'il appelle les lois de la robotique, en fait, dans son monde futuriste, sont effectivement utilisées pour penser les intelligences artificielles et même avant ça, enfin les robots qu'on est actuellement en train de construire. Ces lois qui en fait vont limiter les abus ou les dangers que peuvent apporter l'utilisation de la robotique. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant quand on a comme ça la réalité qui s'inspire de la fiction et qui puise en fait dans toutes ces options que les auteurs ont imaginées pour effectivement créer ce qui sera la technologie de demain, le monde de demain. Il y a aussi des exemples où plutôt que de modifier le génome humain, on en revient à la technologie et à la numérisation des consciences. C'était une nouvelle de Pierre Gévard, cette fois-ci, AME, pour après mort électronique. Donc c'est aussi dans le recueil Revenir de l'avenir. Et dans cette histoire, il décrit une société où il est possible d'informatiser sa conscience et de l'intégrer à sa tombe, en fait à sa mort, donc le programme après mort électronique, AME, afin de continuer d'exister même après le décès du physique, en fait. Et toute la question que pose cette nouvelle, c'est le statut de ces âmes, en fait. Est-ce que elles sont toujours considérées comme des êtres humains ou comme des programmes? Est-ce qu'elles ont des droits? Est-ce qu'elles ont des devoirs? Et donc, on suit l'après-mort d'un écrivain qui, par exemple, n'a plus du tout de droits sur sa fortune parce que sa famille a hérité de sa fortune après sa mort. Donc, voilà, comme ça, une société qui est repensée au regard des technologies qui permettent d'être immortel, mais en fait non, puisqu'il y a toujours les anciennes lois sur l'héritage. Oui, très intéressant. Oui. J'en étais aussi à cet exemple que... qui est 7 secondes pour devenir un aigle de l'écrivain Thomas Day, dont vous avez fait la postface. Et qui part du principe en fait que on a quand même toujours notre planète, notre nature, et qu'il vaudrait mieux penser à la sauver plutôt que de songer à ce qu'on fera quand on ne l'aura plus, c'est-à-dire quand les catastrophes écologiques auront eu raison soit des êtres humains, soit de la planète, et qu'on ne pourra peut-être plus y habiter, en fait. Donc, avant d'en arriver là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une très bonne question, et c'est tout l'enjeu de la situation actuelle dans laquelle on est. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est une question qui est de plus en plus compliquée. Nos sociétés sont faites d'intérêts différents et de préférences individuelles et collectives différentes. Et la question, c'est comment est-ce qu'on arbitre ces préférences et ces intérêts, sachant que certains intérêts sont beaucoup plus puissants que d'autres, et ont sans doute très fortement envie de continuer à faire prévaloir le système dont ils bénéficient actuellement. Oui, voilà, donc différents enjeux, c'est-à-dire est-ce qu'on fait prévaloir le système et dans l'optique qu'un jour on pourra coloniser d'autres planètes comme c'était le cas dans beaucoup de romans de science-fiction, ou si maintenant les romans proposent de plus en plus en fait des solutions pour continuer à vivre sur notre planète. Donc c'était le cas dans le recueil 7 secondes pour devenir un aigle. C'est aussi le cas dans la trilogie du gardien de David Klass, dont le premier tome, Mu, le feu sacré de la Terre, explique qu'il existe un point dans le temps, un point à partir duquel toute espérance écologique s'effondre, et que quand ce point de non-retour est atteint, la planète est définitivement perdue. Et tout l'enjeu du roman, c'est justement, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est ne pas atteindre ce point de non-retour, et qu'est-ce qu'on propose en fait pour éviter à tout prix
de l'atteindre. Donc les nouvelles technologies qui apparaissent, l'énergie naturelle, que ce soit éolienne ou solaire, et dont ce roman va s'emparer, en fait. Je ne l'ai pas lu non plus. D'accord. Mais le principe, c'était justement qu'on prenne des exemples différents pour animer la discussion. Oui. Je vais aussi rebondir sur un autre exemple et puis j'en verrai éventuellement. Mmh. Oui. Oui, je laisse continuer. Je laisse continuer. Ah, d'accord, très bien. Non, parce que j'arrivais au bout de mes exemples d'espérance écologique et j'en arrivais en fait à la question la science-fiction est-elle un... Parce qu'on a montré que c'était un outil et maintenant, est-ce que c'est un outil efficace pour penser les enjeux écologiques? Donc peut-être que si vous avez un autre exemple autour des espérances écologiques... Oui, parce qu'en fait, j'avais essayé de modéliser un petit peu, de typologiser la variété des espérances envisageables. Et j'en avais repéré 6 en croisant les variables techniques, économiques, politiques, que je peux passer rapidement en revue. Hein. Donc, une qu'on a déjà citée, qui est l'abstention technologique. Pour le coup, ce sont des sociétés qui, de manière plus ou moins démocratique, font le choix d'arrêter le développement technologique pour laisser à la planète le temps de se reposer. Donc c'est chez Michel Jury, par exemple, dans Les Écumeurs du silence, en version autoritaire. La version plus démocratique, c'est dans La vague montante. Le deuxième type que j'avais repéré, le deuxième modèle en quelque sorte, c'est ce que j'avais appelé la frugalité autogérée, qui est un modèle qu'on trouve notamment dans Les Dépossédés, d'Ursula Le Guin, qui décrit une société qui est sur une planète plutôt désertique, et qui donc, pour le coup, doit... dire les économistes, mettre en place une forme d'allocation des ressources, et pour le coup de ressources rares, et qui le fait avec un mode de gestionnaire, pour le coup très démocratique, qui refuse l'idée de propriété, et à un niveau très, très... Le troisième type que j'avais repéré, c'est ce que j'avais appelé la sécession arcadienne, qu'on trouve dans un roman qui s'appelle Écotopia, d'Ernest Kallenbach, qui pour le coup est le prototype du récit utopique, avec en l'occurrence un journaliste qui part explorer 3 États américains qui ont fait sécession, qui ont décidé de sortir du modèle de politique consumériste. Donc le roman est daté, il est assez marqué par son époque, hein, il est sorti en 75, il a été publié en 75, et on y retrouve de manière assez marquée hein, les thématiques hippie, un peu baba cool de l'époque. Mais il est très intéressant dans les fulgurances qu'on y trouve. Hein, on y trouve des espèces de préfigurations du vélo en libre-service, ou de la téléconférence, ou du recyclage, du plastique à partir de biomatériaux. Voilà, et avec à nouveau un principe plutôt autogestionnaire et des valeurs plutôt anarchisantes, si on essaie de les qualifier. On l'a déjà cité, c'est celui de Yen M. Banks, l'abondance automatisée. Alors là, pour le coup, c'est la version high-tech. C'est une manière de gérer la contrainte écologique, mais pour le coup, en manipulant la matière et en manipulant l'énergie, puisque la culture, la grande civilisation décrite par Yen Banks, a la capacité technique de manipuler la matière et l'énergie. Et donc là, pour le coup, plus de problème de gestion de ressources rares, puisqu'on a autant d'énergie qu'on veut et autant de matière qu'on veut. Et là où, malgré tout, la culture est très intéressante, c'est que voilà, elle pourrait récupérer assez facilement, démanteler les planètes et gérer la ressource de manière assez facile. Par exemple, pour construire des orbitales, au lieu d'aller chercher des ressources sur des planètes, en fait, la culture récupère tout ce qui traîne dans l'espace, astéroïdes, voilà, un petit peu les reculs dont on peut estimer qu'ils n'ont pas d'utilité, pour construire ces gigantesques stations orbitales. Que j'avais repéré dans cette typologie, c'est ce que j'avais appelé le conservationnisme autoritaire. On en a déjà un petit peu parlé avec Elisabeth Baer. Il y a une version high-tech du conservationnisme autoritaire, c'est-à-dire on encadre la contrainte écologique dans des mesures autoritaires. Donc, pour le coup, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas de démocratie, et les populations subissent les prescriptions écologiques. Donc une version high-tech qu'on trouve chez Elisabeth Baer, donc, ce sont des intelligences artificielles qui vont gérer...
les contraintes écologiques, énergétiques, y compris en termes de population. Et puis on trouve une autre version dans une série de romans de Karen Travis, qui s'appelle La Cité de Perles, où là, pour le coup, la contrainte écologique, elle est gérée par une espèce d'extraterrestre immortel, qui en quelque sorte a pris, dans une espèce de rédemption personnelle, cet extraterrestre immortel a pris sous sa protection une planète, et y compris en rasant une autre espèce extraterrestre qui avait voulu coloniser cette planète. Donc là, les populations sont tolérées jusqu'à temps qu'elles respectent les contraintes écologiques de la planète. Donc une petite colonie humaine a pu s'implanter, mais avec l'obligation de gérer sa population et la contrainte écologique. Et si ce n'est pas le cas, l'extraterrestre en question définit toute entité qui ne respecterait pas les prescriptions. Puis le dernier modèle que j'ai repéré, c'est ce que j'ai appelé la spiritualité naturelle, qu'on trouve classiquement chez dans Avatar de James Cameron. Mm. On voulait donner une espèce de transposition, ce sont un petit peu les idées de Pierre Rabhi qu'on trouve transposées dans l'imaginaire, donc avec une espèce de critique très forte de la modernité, une espèce de spiritualité qui est censée envelopper toutes les entités naturelles, et y compris jusque dans des formes de connexion entre les espèces de chevaux volants ou de dragons volants auxquels les navis se connectent avec leurs tresses. Pour le coup, l'environnement est presque déifié. Ouais, c'est une espèce de panthéisme qui est incarné dans l'environnement. En fait, James Cameron n'est pas tellement innovant. Hein. En fait, on trouvait l'idée déjà chez Ursula Le Guin dans Le nom du monde des forêts. Il y a cette espèce de même idée d'humain qui tente de coloniser la planète, qui est déjà en fait peuplé d'une espèce, en l'occurrence c'est une espèce de singe vert, une espèce de singe avec des poils verts, qui a un rapport entre l'environnement et en l'occurrence à la forêt, qui est également assez particulier, presque intrinsèque, presque personnel, d'où le terme de spiritualité naturelle. D'où six types qu'on peut trouver si on croise les aspects politiques, économiques, techniques. C'était très intéressant le dernier type, parce qu'en fait on se rapprochait presque de l'abondance automatisée, c'est-à-dire que à la place de l'intelligence artificielle donc qui régit une intelligence robotique qui va régir le monde, c'est une déité naturelle, mais au final on a toujours quand même ce statut d'être divin qui domine en fait la Terre et toute forme de vie dessus. Pour faire le lien avec ce qu'on disait auparavant, effectivement, une des grandes questions qui est derrière la problématique écologique, c'est la question de la gestion de ressources rares et de ressources en voie de raréfaction. Et ce qu'on signait auparavant, c'est que comment ou quel type d'institution on installe pour gérer ces ressources qui se raréfient. De manière assez intéressante, ce qu'on disait auparavant, c'est que la fiction imagine des espèces d'entités qui nous aideraient presque magiquement à gérer ces ressources en voie de raréfaction. Donc c'est soit effectivement une déité. Presque comme si l'humain, en fait, n'était pas capable ou avait prouvé son incapacité à gérer les ressources. Donc c'est quand même assez pessimiste le regard que portent ces fictions-là. En tout cas, elle n'avait pas encore atteint un stade qui lui permette de gérer de manière harmonieuse les ressources dont il est censé être dépendant ou tributaire. Mais oui, c'est une hypothèse à certains égards pessimiste. Ça veut dire que l'humain lui-même n'est pas capable d'être raisonnable et qu'il faut une forme de deus ex machina pour qu'il puisse devenir raisonnable et intégrer la contrainte écologique. Oui. Voilà, donc moi effectivement j'ai pas encore d'exemple en tête forcément d'exemple d'espérance écologique ou de monde où ce serait les humains qui géreraient. On en appelle énormément en fait à la technologie, aux intelligences artificielles sans humains. De fait, il y en a très très peu. Hein. Moi j'ai eu beaucoup de mal, en tout cas il m'a fallu faire un certain effort avant d'en trouver, puisqu'effectivement les schémas assez faciles et majoritaires sont des schémas apocalyptiques, post-apocalyptiques, qui permettent de faire des récits assez prenants, assez facilement. Mmh. Mais voilà, le fait de mettre sous forme fictionnelle des formes d'espérance écologique est encore assez rare. On commence à en trouver. Il y a un courant qui s'appelle le Solar Punk, qui essaye de théoriser et de mettre en place ce type d'idées. Mais pour l'instant, c'est un courant qui est assez programmatique. Et il y a peu d'auteurs pour l'instant qui ont fait fonctionner de manière fictionnelle
les hypothèses du solarpunk. Oui, voilà, donc un terrain à explorer. Et donc on revient, on peut revenir sur les 10 dernières minutes sur l'entièreté de la question, puisque la question qu'on se posait au début, c'était la science-fiction est-elle un outil efficace pour penser les enjeux écologiques avec ce qualificatif d'efficace. Et pour ma part, je reste assez nuancée parce que ça reste quand même des hypothèses fictives véhiculées dans des livres. Et en fait, qui est-ce qui va lire ces livres? Est-ce que ça va être la population en entier, c'est-à-dire notamment ceux qui ont le pouvoir de changer les choses, ou au contraire, est-ce que ce sont ceux qui sont déjà convaincus qui vont lire ces textes? Et donc, c'est pas le même niveau d'efficacité, en fait, on peut se poser... Alors, sachant que de surcroît, dire ça, c'est faire l'hypothèse que la fiction aurait une fonction d'alerte, ou essentiellement une fonction d'alerte. Et ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, c'est qu'en fait, la fiction peut avoir d'autres fonctions, et pas seulement une fonction d'alerte et d'alarme. Et parmi ces autres fonctions qui peuvent être beaucoup plus ambiguës, il peut y avoir une fonction d'habituation. C'est-à-dire qu'à force de voir de l'apocalypse et du post-apocalyptique dans la fiction, on peut être habitué, et en quelque sorte se dire, bah oui, la situation n'est pas si grave que ça, puisque la fiction nous montre bien pire, voilà, et on a encore beaucoup de marge avant d'arriver à ces situations potentiellement apocalyptiques. Donc voilà, il y a une part d'ambiguïté dans la fiction qui peut être une fonction d'habituation, voire de réassurance, en se disant, bah voilà, c'est pas trop grave. Une autre fonction de la fiction qui peut être potentiellement ambiguë, c'est la fonction de catharsis. C'est-à-dire qu'on lâche la pulsion ou l'anxiété dans la fiction. Voilà, et en se disant, bah voilà, j'ai mis en scène mon anxiété, et après je passe à autre chose en me libérant de cette pulsion ou de mon inquiétude. Mmh. J'avais vu aussi plusieurs fois que plus qu'un outil aussi de réflexion, donc il va présenter des hypothèses sur ce que pourrait être la Terre 2.0, la SF est beaucoup aussi utilisée comme outil de sensibilisation. C'est-à-dire qu'on va imaginer ce que pourrait être le futur, et c'est souvent en fait assez alarmiste, notamment peut-être pour sensibiliser les lecteurs à ce que pourrait devenir le monde selon les choix qu'on ferait. C'est ce que fait beaucoup la romancière Aurélie Wellenstein, par exemple à travers son roman Mère morte, qui parle d'un univers, enfin de notre Terre. Dans un futur très lointain dans lequel les mers et les océans auraient disparu, l'eau s'est complètement évaporée et toute forme de vie sous-marine est morte. Et donc c'est là où la science-fiction fait la jonction avec le fantastique, puisque les fantômes de ces créatures sous-marines habitent en fait les anciennes mers et deviennent des spectres avides de vengeance. Qui vont arracher les âmes des êtres humains et la dévorer. Et il y a des équipages de marins exorcistes, en fait, qui vont protéger l'humanité contre ces fantômes qui pourraient les détruire. Et donc, cet objectif de sensibilisation, parce que c'est le devenir qu'on pourrait imaginer pour les mers et les océans, enfin, à la fois écologique et puis au niveau de la faune aussi sous-marine. Je ne sais pas si c'était très clair. Oui, tout à fait. Il y a effectivement certains auteurs qui choisissent le registre de la fiction pour sensibiliser, essayer de faire passer un certain nombre d'idées, mais pas forcément. Hein. Il y a des auteurs qui ont pu avoir ce type d'effet, mais sans avoir l'objectif de sensibilisation. Si on relit par exemple Ballard, on trouve chez Ballard des formes d'anticipation du réchauffement climatique. Sauf que Ballard, quand il a écrit, n'avait pas un objectif de sensibilisation. Mais on peut le relire a posteriori comme une forme de climate fiction, pour reprendre un terme qui circule actuellement. D'accord, c'est peut-être pour ça que je dis que ça émerge en ce moment, parce que j'ai, si je ne me trompe pas, j'ai vraiment l'impression que c'est un des objectifs, pas le seul bien sûr, mais un des objectifs de la romancière, puisqu'elle est très attachée à la cause de la défense animale, c'est ce qu'on voit notamment dans son roman Blé Noir, et
qu'on retrouve, enfin qu'on trouve aussi dans Mer Morte, mais aussi attaché aux enjeux écologiques et aux catastrophes qui peuvent éventuellement nous atteindre en fait. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce fond, voilà, de volonté de sensibilisation à travers ces hommes. Mais peut-être que c'est nouveau, je ne sais pas si ça se trouvait déjà avant dans d'autres exemples. Bah, d'autres auteurs qui ont une sensibilité écologique essayent de le faire. Je pense par exemple à Paolo Bacigalupi, avec La fille automate, ou avec d'autres œuvres comme Weather Knife, où lui, pour le coup, il est très sensibilisé à ces questions-là et il essaye de le retraduire dans ses fictions. Donc il y a effectivement un certain nombre d'auteurs. Après, c'est extrêmement difficile de faire une œuvre à la fois, j'allais dire, militante ou engagée, et quelque chose qui tienne la route fictionnellement. Enfin, souvent, les auteurs, à trop vouloir en faire du point de vue militant et dans la sensibilisation, font quelque chose qui est un peu, voilà, avec les gros sabots et qui n'est pas forcément toujours très intéressant du point de vue fictionnel. Oui, après, effectivement, il faut quand même que l'histoire prime sur... La fiction n'est pas qu'un cadre, sinon c'est un travail de prospective et il faut arriver à combiner les ressorts dramatiques avec effectivement les aspects que la personne essaie de problématiser. Mais ça dit, c'est le propre de toute fiction. Hein. Voilà, dans toute fiction, il y a une forme d'inconscient, de reproduction de l'inconscient de l'époque, inconscient politique, inconscient économique ou inconscient social. Donc c'est assez logique qu'un auteur ou une autrice soit imprégné des préoccupations de l'époque et essaye de, là aussi avec plus ou moins d'habileté, de les intégrer. Oui, du coup, on vient de recevoir une question, je ne sais pas si vous avez vu. Donc, la question, c'est: sans parler de fonction d'alerte, que pensez-vous de la fonction de contextualisation ou le fait d'appréhender la SF éco-fictionnelle en termes d'affect? Le fait que des questions environnementales soient remises dans un contexte beaucoup plus proche des individus que de simples articles de presse, par exemple. Ah oui, donc c'est si j'ai bien compris la question, c'est vraiment: est-ce que passer par une histoire, il y a peut-être plus de chances que le lectorat s'identifie, notamment émotionnellement, que dans un article de presse ou un article scientifique qui va présenter les faits. Sans qu'il y ait les faits, rien que les faits, en fait. C'est si je comprends bien la question. Je dirais oui, dans le sens où, pour le coup, le propre de la fiction, c'est de mettre des hypothèses dans des décors et avec des personnages. Donc là, oui, pour le coup, on peut supposer que la fiction aura une forme d'impact supérieure à un simple article de presse ou un travail de prospective. Parce que là, pour le coup, grâce à la fiction, on voit des personnages se débattre avec des difficultés du type réchauffement climatique, pollution, etc. Alors, je dirais que c'est vrai en littérature, mais c'est encore plus vrai pour les médias ou les supports qui utilisent l'image, je pense au cinéma, aux séries, aux jeux vidéo, où là, pour le coup, la personne posée comme question, voilà, les affects sont transmis de manière encore plus forte, voilà, parce qu'il y a l'impact de l'image qui met pour le coup en scène quasiment directement ces aspects-là. Oui, puis il y a la possibilité en fait de voir des personnages qui nous ressemblent ou qui peuvent, dont les affects peuvent nous ressembler. Et donc, il y a cette possibilité d'identification de ces problèmes peuvent devenir les miens. Mais ça, c'est la grande thématique de, pour la résumer, tout passe mieux avec des histoires et qui existent depuis l'Antiquité ou depuis les fables de La Fontaine. Vous savez, cette fable qui présente la catastrophe politique qui est en train de vivre la société. Le doyen essaie de prévenir tout le monde, d'abord par un discours rhétorique bien construit, en exposant uniquement les faits. Ça ne fonctionne pas, la population ne l'écoute pas, et du coup, il reprend le même discours, mais avec un mythe, une histoire inventée. Et là, d'un coup, tout le monde l'écoute. Et oui, donc forcément, l'histoire va mettre... son but, c'est de faire écho à ce qu'on ressent. Même les auteurs peuvent se servir de la fiction, en fait, pour répondre à des inquiétudes qu'eux-mêmes se sont imaginées.
Là, on rejoint la fonction cathartique dont vous parliez aussi. Donc, ce qui peut résonner avec celle d'autres personnes. Après, il ne faut pas être naïf. Hein, la fiction, ou l'imaginaire en général, c'est aussi un champ de lutte. Il n'y a pas un imaginaire, il y a des imaginaires qui sont en compétition et avec un certain nombre d'acteurs ou d'intérêts qui ont une force ou une capacité à diffuser ces imaginaires. Parce que la question en arrière-plan, c'est qu'est-ce qu'il y a ou quelles sont les œuvres qui ont accès à la publication. Et je ne suis pas sûr qu'un éditeur, quand il voit arriver une œuvre un petit peu originale et qui n'est pas dans le créneau apocalyptique ou post-apocalyptique, ait envie de la publier ou la diffuser. Voilà, il faut pas oublier aussi que la fiction a un aspect commercial. Et la question, c'est aussi qui a le droit, qui a un accès à s'exprimer dans cette compétition commerciale. Donc voilà. Donc, vu que j'ai eu le mot du début, peut-être que je vais... Non, je laisse Audrey conclure, parce que c'est elle qui a habilement introduit la session. Honneur aux femmes. Bon. Très, très bien. Du coup, on a vu, à travers les divers exemples qu'on a mis en place, que la science-fiction avait la capacité de construire des expériences fictives, des expériences de pensée, et que donc elle peut offrir un terrain à la fois à des hypothèses pour penser les enjeux écologiques, et aussi presque en fait diriger. Enfin, nous servir de guide dans ce que pourrait être notre futur, mais qu'il ne faut pas non plus la prendre comme des prédictions. C'est ce qu'on voyait avec tous les articles qui présentaient les romans de Dean Koontz comme un roman prédictif. Ça ne sert pas non plus à prédire l'avenir, mais plutôt à le penser, à le réfléchir, que ce soit pour alerter, pour sensibiliser ou tout simplement pour offrir des bribes de ce que vous appeliez les espérances écologiques, c'est-à-dire un espoir de continuer à vivre et comment est-ce qu'on peut continuer à vivre sur la Terre, comment l'habiter, qui va l'habiter. Juste, merci beaucoup à tous pour votre écoute et encore merci de m'avoir invité au festival. Au revoir tout le monde. Et bonne continuation au Festival d'Isfiction. Il y aura d'autres sessions qui seront consacrées à ces sujets-là et on s'y retrouve éventuellement. Bonne soirée à tous. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions.